Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Alpha Condé réagit aux nouvelles poursuites de Charles White, une bouffonnerie. L'ancien président guinéen a désormais des nouvelles charges à son arc. Le président de la République, à travers le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Charles White, a demandé lundi dernier au procureur général près de la Cour d'appel de Conakry de poursuivre le professeur Alpha Condé et l'un de ses fidèles partisans, Foudé Moussa Mara, alias général El Sissi, pour des faits présumés de trahison, d'association des malfaiteurs et de complicité des détentions illicites d'armes et munitions contre les intérêts fondamentaux de la nation guinéenne. Sans trop tarder, le dirigeant guinéen exilé à Istanbul depuis des mois a réagi aux graves accusations du ministre de la Justice en parlant de bouffonnerie. Selon notre correspondant qui a pu entrer en contact avec le président Alpha Condé, il dément toute imputation de trafic d'armes depuis Istanbul où il réside depuis 2022. Ils ne savent plus où donner la tête, personne ne va se laisser distraire par une telle bouffonnerie, dit Alpha Condé, cité par notre confrère depuis Istanbul. Le RPG arc-en-ciel qui sert fondure d'un communiqué du 19 novembre dernier au lendemain de l'arrestation de Foudé Moussa Mara a parlé des volontaires des gouvernants de museler le peuple de Guinée et de détruire notre grande patrie. Et bien que les amis, c'est ici qu'a pris fin ce tout petit bulletin d'information. Restez toujours abonnés, restez à votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Partagez avec vos amis, amis, familles, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt donc pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous toujours très très bien.